Alors vous allez voir maintenant notre, en quelque sorte, notre film d'ouverture. Ça s'appelle « De l'or pour les chiens ». C'est un film qui, dès le premier plan, pose un cadre, une relation humaine, d'amour, d'autre chose. Et c'est un très beau récit d'apprentissage d'une jeune fille qui est avide de ce désir de l'autre et qui se construit dans un cheminement. J'adore le film. Le premier plan pose un cadre, une atmosphère. On se dit ça va être comme ça, 1h30. Le film se déplace en termes d'espace et fait déplacer aussi ce personnage qui évolue dans différents milieux, qui la révèle à elle-même dans son désir de l'autre. Et là-dessus, le film est formidable parce qu'il parle de sexe, de chair, d'amour. Ce que j'aime beaucoup dans les premiers films, c'est qu'il y a une personnalité. Une personnalité dans le rapport au personnage, au monde, au cinéma. Je ne demande pas à ce que les films soient parfaits, mais qu'ils aient cette personnalité-là, ce rapport fort au cinéma qui fait qu'on se dit, tiens, c'est plus qu'un film, c'est une cinéaste et on a envie de l'accompagner très fort. Et le film révèle deux comédiennes absolument formidables. Donc je vais appeler tout d'abord la réalisatrice Anna Cazenave-Gambé. Les deux comédiennes, Paloula Cassavetti et Anna Neborak. Bonsoir, je suis très émue de présenter ce film ce soir. Je voulais remercier le Festival d'Angoulême de nous accueillir, de nous donner cette possibilité-là, qui est une possibilité en or de montrer le film. Et puis bien sûr Charles Tesson et la Semaine de la Critique. Quel beau label et quelle chance pour moi de démarrer comme ça, pour nous. Je parle de remerciements parce que le film a été terminé 2 jours avant le confinement. Et même si c'est un peu irrationnel, on avait l'impression que peut-être personne ne le verrait jamais. Alors je suis vraiment très heureuse que vous soyez là. Merci, malgré les conditions un peu particulières, de vous être déplacés pour faire vivre le cinéma en salle tel qu'il devrait vivre, je crois. C'est un film d'amour et pas que. Et on l'a fait avec beaucoup d'amour et on espère que ça vous touchera. Merci beaucoup.